À tous. Bah, on a pris une grande décision. Une mauvaise nouvelle. Non, je plaisante. Non, on rigole. Donc voilà, on arrive dans une période où c'est répétitif, c'est-à-dire récolte, toujours les mêmes semis, toujours, parce que tout est pratiquement fait, on va dire, pour la saison. Là, ce qui va arriver, c'est la préparation de l'automne, mais ça sera pas avant fin juillet. Donc, là, on va vous faire une vidéo semaine. Elle sera un peu plus longue, peut-être. Ça sera selon ce qui aura été fait. Voilà, selon ce qui a été traité, de quoi on aura parlé. Et donc, dans cette vidéo-ci, je suis têtu. Hein. Je replante du poireau. Oui, non, mais. Oui, je replante du poireau. Ouais. Ah, mais j'avais le poireau chaud, le poireau d'hiver. Le poireau chaud, il est passé poubelle. J'avais le poireau d'hiver, donc j'ai décidé de le mettre quand même. Je le projeter. En plus, il était nickel. Je l'ai arraché, nettoyé, habillé, nickel. Donc, voilà les poireaux. La deuxième récolte de pois. Je vais la remplacer par les poireaux. Parce que la première, je l'ai remplacée par des pommes de terre. Voilà. Donc, cette semaine, ça sera ça. Alors, aussi du semis de carottes. N'oubliez pas de semer la carotte d'hiver. Il y a encore temps de semer la carotte d'hiver. Jusqu'à fin juin, mais dans les régions des Hauts-de-France, je dirais 15 juin. Ça sera bien pour avoir de la carotte pour l'hiver. Oh, Jaco, un petit truc. Est-ce qu'on peut encore mettre des petits pois? Les petits pois, les rouges, oui. Les petits pois rouges. Non, je plaisante. Dans le sud, si vous habitez dans le sud, à savoir que le pois n'aime pas les grosses chaleurs. Par contre, si vous avez un coin bien ombragé, c'est-à-dire assez frais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le soleil de l'après-midi, vous pouvez tenter, mais pas avant juillet. D'accord. Et ceux qui ont la chance d'habiter dans le Nord-Pas-de-Calais, eh bien vous pouvez y aller à partir du 14 juillet, vous pouvez remettre un peu. Par contre, vous allez récolter, je dirais, fin septembre, et la récolte sera moins abondante que celle de, du printemps. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir, si vous avez de la place et puis des graines qui vous restent, c'est toujours un plaisir de récolter des pois du jardin. Tout à fait. Hein? Bon, bah là, on va aller. Là, ici, c'est la stérilisation là, Jaco, on ne soulève pas. On est en train de se stériliser. Donc là, c'est la deuxième récolte de pois qui est en stérilisation. Voilà. Et la deuxième récolte de haricots verts. J'allais le dire. Voilà. Pour 8 juin, on a fait notre première récolte de haricots verts. De haricots verts. En serre. Sur les haricots avant. Il y en a beaucoup qui ont été sceptiques pour qu'on mette des haricots. Ben voilà pourquoi on, voilà pourquoi on a mangé déjà des haricots verts depuis. C'est très très bon. Ouais. Donc voilà, donc cette semaine je repique du poireau, je vais ressemer de la carotte d'hiver, et puis je vous parlerai de la taille des tomates. Encore, et oui, encore. C'est le grand sujet du moment. Donc je reparlerai de ça. Ça marche. Bon, voilà. Là on va voir ce qui se passe au niveau de. La culture de poireaux?
C'est pas la culture, c'est du... Enfin, la plantation de... Voilà. Ouais, la plantation des poires. Je ne vais pas vous détailler tout. Parce que non, on l'a déjà fait. Voilà, je vais vous montrer mon plan, tiens. Poire d'hiver. Alors. Donc voilà, toujours fidèle à la méthode. Oui. Je trace le sillon, je trempe dans le sillon moi pour que la terre tombe dedans. Ouais. Et puis je mets un poireau tous les 12-15 cm. Là, le poireau de... C'est vrai qu'ils sont super beaux. Hein. J'ai trouvé deux mineurs sur tout sur deux routes. Voilà. Donc j'ai mis un filet et je vais y mettre des petites pecs jaunes comme j'ai mis. Comme on a mis là-bas. D'abord, qui sont griblés de mouche. Griblés de mouche, ouais. Des petites, des grosses, pour tous les goûts. Voilà. Voilà, donc là, la même méthode, Jaco les a habillés. Même chose, même pareil. Même chose, on mettra le lien, c'est pour... Il y a un caillou ou une brique. La plantation de... des poireaux. C'est bon. Encore dur quand même. Hein. Ouais. J'ai greliné, mais... Greliné, et puis là, t'as mouillé le terrain, parce que c'est trempé. sec, hein, c'est... Ouais. C'est horrible. Voilà. Bon, on va laisser Jaco bosser. Bon ben voilà. Voilà, on a mis les poires en cage. En cage, ouais. C'est quoi de le dire. On a mis des petites feuilles jaunes. Hein. Oui, des petites plaquettes. Avec du monde dessus. Hein. Mm-hmm. Et c'est incroyable ce qu'il y a des jaunes. Oui. Incroyable. Ouais, c'est... Regarde. C'est incroyable le nombre de... Ouais. Incroyable le nombre de, comment, de mouches qu'il y a déjà à l'intérieur. Cette année, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Bon, ben voilà. Hein. Ouais. Donc, tentative, Jaco. Ouais, on va pouvoir manger du coup les betteraves assez vite parce que. Oui. Du coup, on s'est rapprochés. Oui, ils sont belles. Hein. Ça, c'est betterave. Ouais, betterave. Je vois. Mais. Ouais. On a trop. Oui. Ah. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire, Jaco? Je vais vous faire aller les tomates. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Encore une tête de chevillard. Oh, ouais, ben. À cette époque-ci. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ben, en même temps. Ouais, voilà, tête de chou. On a du temps bizarre. Hein. Ouais, quand on se retrouve dans une tête de chou. Tu vois? Oui. Alors, si je les sauce, ça fait une belle tomate. Une grosse tomate, toute déformée. Mais une grosse, une bonne tomate. Mais le pied, le reste de la grappe, il n'y a pas de chance. Hein. Ouais. Alors, bon. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Jaco? Donc, en ce moment, c'est la grande question. Je taille ou je taille pour? On a déjà fait une vidéo là-dessus. Ouais, mais... Ça revient. C'est récurrent. Voilà. Alors, celui qui ne veut pas tailler, eh bien, il taille pas. Bien sûr. Voilà. Ceux qui veulent tailler, ils taillent. Déjà. Ceux qui veulent maintenir, ils maintiennent. Il n'y a pas de loi pour ça. Et vous n'aurez pas un procès verbal parce que vous taillez vos tomates. Et vous n'aurez pas non plus de maladies si vous taillez vos tomates. Ça aussi, c'est une idée reçue. J'explique pourquoi. Bien sûr, vous taillez un gourmand, vous faites une plaie. Mais si vous taillez par temps sec, ou dans une serre qui est bien sèche, ça sèche tout de suite. Alors, par contre, si vous ne taillez pas dans une serre comme ça, ça va remplir absolument bien. Ben je vais faire ça et puis... Ça va me remplir tout le volume. Voilà. Vous pourrez ouvrir les portes, vous pourrez même créer des portes, il n'y a plus rien qui passera. Non, on passera plus. Donc là, vous avez créé une grosse humidité qui va vous faire le médio. De botrytis. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est comme ça. Par contre, dehors, si vous ne taillez pas dehors, par contre, là, bien sûr, je vais aller dehors mettre 300 kilos de tuteur, parce que ça part dans tous les ça sens. Ça va partir dans tous les sens, ouais. Bon courage. Sinon, après, il y a les pieds buissonnants, ceux-là, vous les laissez par terre. Vous paillez bien ou sur un cajou, comme je vais expliquer, et vous laissez faire la nature. Voilà. Alors vous taillez ou vous ne taillez pas, vous n'aurez pas de procès verbal pour ça parce que c'est pas établi par la loi. Et chacun fait ce qu'il veut. Voilà. En sachant que si vous avez vos pieds de tomates dans la serre et que vous ne taillez pas à un moment ou à un autre, vous ne pourrez plus rentrer dedans. Du tout. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches? T'as trouvé quelque chose? C'est encore une tête de chou. Oh, ben en même temps on a des variations de température quand même, hein, encore. Même, c'est vrai que c'est au niveau de la serre, la température est bien régulée, mais ouais. On sent quand même, le matin, c'est un petit peu frais. Hein. Ouais. Voilà. Bon, Jaco, c'est tout ce que tu vas dire? Voilà. La taille des tomates, c'est comme ça. Donc, régulièrement, moi, je passe et puis j'enlève mes petits gourmands. Bah oui. Voilà, là, il fait temps sec, tout ça, j'enlève. Hein. Hop.
Ça ne fera pas de mal à personne. Non, tout à fait. Et puis attends, je vais montrer la coupe nette que tu as fait. Hop, voilà. Ici, c'était un gros. On voit, ça a séché. Ça a séché. Oh, la plaie est cicatrisée. Voilà. Bien. Voilà. Bon, et si on allait planter un peu de salade? En route. Ah, puis en même temps, peut-être dire la grosse bêtise que j'ai fait. Bon. Ouais, on va le dire. Hein. Oui. Là, c'était du plan. Ben, si vous vérifiez pas ce qu'on vous met dans le sac, ouais. Ben, des fois, vous avez des surprises. Parce que là, avec le confinement, ben, on ne peut accéder à rien. Et sur les marchés, en fait, ils ont leur étal derrière et puis ils vous servent comme ça. Parce que, en fait, j'en avais semé, mais voilà. Mais voilà. En plus, elle est pleine de mouches blanches. En fait, plein j'ai sorti les salades. Elle est pleine de pucerons. C'est honteux dans ça. Ah oui ? Viens. Oh là là ! Poubelle. D'accord, ok. Donc, ben, du coup, je vais dire hein, ce que j'ai fait. Les salades que j'avais rempotées, qui étaient dans la serre, qui étaient bien installées, j'ai voulu les mettre dehors parce qu'ils avaient annoncé de la pluie. Donc, je les ai sorties. Déjà, elles ont pris une grosse pluie et puis elles ont été un petit peu abîmées. Et puis, je les ai mises sous la table. Et quand je viens faire la salade au jardin, je nettoie la salade bah, au niveau de la table. Et je rince la salade et il y a l'eau qui... Je vais montrer, elle est... Ah. Et il y a l'eau qui coule, en fait. Je vais montrer hein, par les trous, là. Et puis, bah, mes salades qui sont en dessous, bah, voilà quoi. Ils ont morflé. Elles ont morflé. Et Jaco m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait avec les salades? Bon, bah voilà. Du coup, bah, il a fallu racheter de la salade. Hein, Jaco? Parce qu'il y a encore celles qui sont aussi dans les... Comment on appelle ça? Qu'on a fait avec les mini-mottes. Ouais. Mais elles sont pas encore bonnes à planter. Donc, tu vois? Bon, celle-là, ça a l'air d'aller. Une feuille de chêne, elle est plus potable. Elle a l'air d'être plus potable. On va aller voir ça. Bon, donc... Là, bah, toujours à la même place. Toujours à la même place, les salades. La parc à salade, il y en a quelques-unes qui sont parties. Voilà. Alors, là-bas dans le fond, il y a un pic qui a été mis. Il y a deux salades qui sont conservées pour faire des graines. Ouais. Les grosses, elles ont été énormes. Ouais, elles ont été très grosses. Mais c'est de la belle salade, hein. Regardez. Ouais. C'est bon goût, hein. Très belle. Donc, voilà. Donc, comme je disais, en début d'année, là, j'ai ma parcelle à salade. Voilà. Voilà. Chaque quelques salades, je remets derrière. Comme ça, j'ai toujours mon roulement à la même place. Avec les clubs, on a eu une envie de salade en plus. Bon, bah, on va te laisser faire, puis voilà. On reviendra après. Voilà. Bon, bah, là, voilà, les salades sont plantées. Alors, l'arrosage. Bien autour de la salade, hein, pas sur les feuilles. Toujours jamais. Toujours. Toujours jamais. Toujours jamais. Toujours autour de la salade. Et puis, Jaco, anti-limace non, anti-limace, je ne jamais plus dans mes salades. Non, c'est bon. Ouais. Puis terminé. Et puis, j'aurais déjà plus le mois d'avril et tout. Les salades, ça vient en place, il y a de la grosse salade. Ouais, on a un peu de tout là. Hein. Oui, c'est certain. Voilà. Ouais. Maintenant, quand on commence à consommer nos salades, si on s'en fait bouffer quelques unes, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Mais quand c'est le départ, puis qu'ils vous bouffent tout au fur et à mesure, je suis pas d'accord. T'as raison. Alors, les voilà. Carottes. Ah, carottes. Ah, j'ai déjà semé ici il y a 3 semaines. À peu près, oui. 3 semaines à mot, hein. Elle est bien levée, hein. C'est la carotte de Tilk. Avec un petit radis. Mélangé avec du radis. Que j'ai fait la même chose d'abord. Là-bas, il y a 15 jours. Ouais, j'irai montrer après. 15 jours, elle commence à lever. Donc, la carotte de Tilk, c'est une grosse carotte pour l'hiver. Qui résiste bien au froid. C'est-à-dire que pour les régions, il ne fait pas très froid. Qu'on ne descend pas en dessous de moins 5. Hein, vous pouvez les laisser en pleine terre. Ça ne bouge pas. Nickel. C'est une bonne tenue. Après, vous avez la colmar. La colmar. La berlicum. Berlicum. C'est une grande tomate aussi, une grande carotte aussi. Bon, celle-là, par contre, si elle a soif, elle éclate. Ah, d'accord. Okay. La tilk a une meilleure tenue. Mm-hmm. La tilk, c'est une variété qui se cultive surtout dans le nord de la France. Et on trouve ça chez les graines bokeh. Eh oui.
en particulier chez les grains boqués. Oui. Si vous voulez les commander, vous pouvez. Vous les aurez dans les 48 heures, je pense. Oui, 48, 72 heures, oui. Ouais, à peu près, ouais, ouais. Vite. Je vous mettrai le lien. Ouais, 42 tiques. Si ça, vous fait des carottes énormes. Oui. Ça vous peut. Des carottes. Refait. Ça peut, que ça peut aller jusque-là. J'ai le collègue qui a fait 2,3 kg sur une carotte l'année dernière, son record. Mmh. 2,3 kg, une carotte. Comme une bouteille, en fait. Bon, quand ça, je dirais que quand ça arrive à cette taille-là, c'est plus si bon. Oui, on s'en sert plus facilement pour mettre dans les pot-au-feu, voilà. Faire les soupes et tout ça. Quand elle est encore petite, en râpée, ça on va. Peut la faire râper, oui. Mais sinon, quand même, meilleur pour râper, c'est quand même la Colmar et la. Il y a l'icum, mais enfin, il n'y a pas que cela, il y en a plein d'autres. Non, il y a énormément c'est de sortes, c'est ce qu'on met. C'est ce qu'on met pour voilà, et après, à chacun ses goûts. Hein. Ouais. Donc là, c'était le petit coin où il y avait les poireaux. Les poireaux. Je vais en faire deux lignes de carottes. Oui. Que je vais mélanger avec du radis encore. Oui. Je trouve que c'est pas mal. Vous avez le radis qui se lève et qui trace votre route. Exactement. Comme ça, vous savez, vous avez ces mêmes carottes. Voilà. Je ne mets plus de terreau pour couvrir mes semis parce que les miens les ont compris. Ouais. Il file tout le long, il bouffe mes graines. Et là, ici, on met le filet, bah, il y aura encore le filet anti-insectes dessus, hein, puisqu'il y a de la carotte. Oui, et puis surtout pour les chats du quartier. Et les chats aussi. Qui vont gratter dedans. Voilà, moi je vais faire un semis-là. Un semis là, et puis. Classique, hein, un petit sillon, pas très profond. Voilà, puis on montrera au fur et à mesure. Hein. Bon, et bien, les amis, on vous dit à très très bientôt. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon jardinage à tous. Passez une bonne semaine.